Seigneur. Acclamons-le. Acclamons-le, Seigneur. Jusqu'alors, tu as poussé des cris de joie pour moi. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur de ce grand Dieu? J'aime les gens du dehors. Ils aiment, ils savent comment pousser les cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Est-ce qu'on peut montrer au monde que nous appartenons à un Dieu puissant, un Dieu capable de tout, un Dieu qui change, un Dieu qui restaure, un Dieu qui renouvelle son amour, sa bonté sur la vie de son peuple. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen de champion ce soir? Donne-moi un amen de quatrième jour de clôture. Est-ce que tu crois que la plus grande bénédiction de ce soir va se localiser vers ta vie? Si tu crois à cela, est-ce que tu peux donner un amen qui peut faire trembler tes ennemis? Amen. Dis à ton voisin, c'est ma soirée. Non, aide-moi à dire à des personnes de ton choix, c'est ma soirée. Est-ce que tu crois que c'est ta soirée? Regarde voisin, dit derrière, dit voisin, mets bien ton masque, mais c'est ta soirée. Dis à ton voisin, récupère ton masque, mais c'est ta soirée. Amen. Merci, viens vous asseoir, s'il vous plaît. En étant aussi, est-ce que tu peux maintenant acclamer pour notre Dieu? Non, j'aime les gens du dehors. Vous êtes prophétiques. Est-ce qu'on peut me filmer ça? On peut me filmer ça, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut me filmer toutes ces personnes? Est-ce que vous pouvez dire un bon amen? Yalelo ezanga. Yalelo ezanga. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus.
Ce trio prophétique est venu pour changer l'histoire de votre famille. De la même manière, tu dis amen, que notre Dieu te visite. Je donne d'abord le micro, prophète. Que la pluie de la bénédiction tombe sur toi là où tu es. Lorsque tu rentreras à la maison, tout ce que tu as laissé de malade sera guéri au nom de Jésus. Je déclare miracle money sur toi au nom de Jésus. Avant minuit aujourd'hui, on t'appellera pour te donner de l'argent. Reçois cela au nom de... Il y a une personne qui est ici, tu t'appelles Valérie. Moi, je parle d'une dame au nom de Valérie. Restez assis s'il vous plaît. Est-ce que la personne est là? Je vois une Valérie, je vois une dame toute brune, toute brune. Toute brune. Non, pas vous, maman. Je vois une Valérie. Est-ce que la personne est là? Il y a combien de Valérie? Que la Valérie qui se reconnaît s'approche. Bon, il y a plusieurs Valérie. Il y a une Valérie qui vient même ici pour la toute première fois. Elle n'est jamais venue ici. Elle vient ici pour la toute première fois. Vous êtes ici pour la toute première fois? Can I prophesy? Vous venez ici pour la toute première fois? Oui, papa. Est-ce que vous croyez au Dieu des esprits des prophètes? Oui, papa. Prophète, vous connaissez cette dame? Ok. Dieu va commencer par toi ce soir. Amen. Et lorsque nous sommes arrivés ici, il y a des anges qui se sont mis dans l'atmosphère. Amen. Et j'ai vu des grâces être relâchées ici maintenant même. Amen. Je me suis retrouvé au niveau de Zangé. Hein? Avant d'être ici, vous étiez où? Pardon? Vous étiez au Zangé. Est-ce que c'est bon? Vous étiez au Zangé avant d'être ici. Oui, papa. Et lorsque vous êtes arrivé, l'Esprit de Dieu a commencé à me dire quelque chose sur vous. Vous avez tellement pleuré pour la situation de vos enfants. Et lorsque je parle d'enfants, je compte trois enfants. Hein? Je vois des garçons. Vous en avez combien d'enfants? Trois garçons. Hein? Vous avez trois garçons. Et je suis en train de voir, pendant que je parle de vos garçons, vous êtes venus ici avec une enveloppe et vous avez commencé à mettre les photos de vos enfants. Oui, papa. C'est là? Oui, papa. Allez-y rapidement chercher cette enveloppe. Stop. Prophète, je vois une enveloppe. Mais je vois, il y a même un montant, comme un billet de 5000 francs CFA. Oui, papa. Hein? Oui, dans papa. Cette enveloppe. 5000 francs CFA. Oui, fouillez l'enveloppe. Est-ce que quelqu'un peut pousser un amen glorieux? De la même manière, Dieu a libéré cette dame, qu'elle libère aussi ta famille. Non, ton amen est faible. De la même manière, il a libéré cette femme, qui libère aussi ta famille. D'accord, pour ne pas aller plus loin, on va déjà donner le micro au premier orateur de la soirée pour que ça ne nous prenne pas beaucoup de temps. Après, nous allons faire maintenant les services à trois et croyez-moi, c'est ta soirée. Je dis encore bien, c'est quoi? C'est ta soirée. Dis à ton voisin, ne m'embrouille pas, c'est ma soirée.
Est-ce que quelqu'un peut crier un amen plus fort? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Lara Soïdesh. Ila Ridet. Isiprash Faidegast Naidesh. Nayo Estifiadish. Imara Zigiza. Merci. Est-ce que quelqu'un peut dire juste je suis béni par Dieu? Encore plus fort, je suis béni par Dieu. Ce soir, nous allons commencer avec notre premier orateur de cette soirée qui va nous bénir. Et après, ça sera My Prophète. Et après, nous allons travailler à trois. Amen. Pour vous bénir. Et je crois que Dieu nous fera beaucoup de bien. Ça sera sans commentaire. Et après ici, nous allons maintenant aller au stade de Zion. Là-bas, nous allons maintenant bien travailler. Comme c'est vaste, et ça va se passer bien. Amen. 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 Ton amen n'est pas convaincant. Les amen des gens de l'extérieur, là, sont convaincants. Non, ton amen n'est pas convaincant. L'amen des gens de l'extérieur... Amen. L'atmosphère est bonne. L'âme même aveugle peut voir. Même celui qui n'entendait pas peut entendre ce soir. Je voulais annoncer à tous les prophètes qui sont dans cet endroit, qui ne voyaient pas, que ce soir vous allez voir. Ce soir vous allez entendre. Il y a un ange qu'on appelle Promesse qui est dans cette salle, qui fera un travail formidable dans la vie de plusieurs prophètes. Et pendant que tu dis un amen, c'est relâché sur toi. Amen. Aide-moi ce soir. On va accueillir un homme. J'ai une chanson dont My Prophet a écouté ça hier. J'ai dédicacé l'église, la synagogue du Gabon et l'église à la porte des cieux. C'est l'album qui va sortir bientôt. Et je crois que tu seras béni. Je chante aussi. Hein? Je me débrouille aussi. Et puis, on va faire des bonnes choses. Amen. Je voulais ensemble qu'on soit connectés afin d'écouter la parole de Dieu dans la bouche de ces grands hommes de Dieu, le prophète Emmanuel. Vous savez, moi j'ai toujours dit, on peut être tous à la même endroit, comme on est en train de travailler. Et je crois au ciel, là où Dieu est assis, il s'est dit, waouh, je suis fier de mes enfants. C'est que là où Dieu est assis au ciel, là, il s'est dit, mes fils là font du bon boulot. Il est fier de nous ce soir. Amen. Prophète Emmanuel, c'est quelqu'un de très très bien. Je ne me connecte pas tout le monde. On s'est connecté et Dieu nous a mis ensemble. C'est pour un but. Pas pour nous, mais pour sauver des familles, pour bénir des familles. Amen. Et ça fait quelques temps que nous sommes ensemble. On s'appelle, on prie ensemble, on partage beaucoup de choses ensemble. C'est quelqu'un de bien. Et c'est quelqu'un que je porte beaucoup dans mon cœur. Hier, il m'a écrit un message pour me dire, mon frère, ne change jamais ton cœur, garde ton cœur que Dieu t'a donné. Et c'est vraiment quelqu'un de spécial. Amen. Il a la grâce de Dieu. Il a beaucoup d'amour pour les gens. Dernièrement, il m'a dit même qu'on doit soucier de l'argent et puis faire des dons aux pauvres, à plusieurs personnes. Et je crois que dans les jours à venir, peut-être dans les jours qui viennent ou semaines qui viennent, on va les faire, vous allez voir. Ça sera juste pour la gloire de Dieu. Amen. Je voulais qu'ensemble, vous m'aider à célébrer. Quand j'invite ces grands hommes de Dieu, le prophète Emmanuel, qui est le président
de tous les synagogues du Gabon. Est-ce qu'on peut acclamer et célébrer Dieu royalement? Non, tu n'as pas acclamé comme il faut. Tu n'as pas célébré comme il faut. Non, 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 je n'ai pas entendu tes acclamations. Est-ce qu'on peut acclamer et célébrer royalement le roi des rois? My prophète, tu peux avancer, merci. À Dieu, tu peux lever tes mains au ciel, lève tes deux mains au ciel. Notre Dieu mérite d'être adoré ici en ces lieux. Je ne sais pas si tu peux juste adorer Dieu avec tes paroles. Adorer, c'est pas seulement chanter, c'est pas seulement des sonorités vocales, mais c'est dire ce que Dieu est, ce que Dieu est pour toi. Car la différence entre louer et adorer, celui qui loue reconnaît ce que Dieu a fait dans sa vie. Mais celui qui adore dit qui est Dieu. Il mérite d'être élevé. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est l'alpha et l'omega. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Le Dieu qui siège au milieu de ses conseillers. Le Dieu qui les établit comme les Elohim afin de décider dans son conseil. Tu peux dire quelque chose à Dieu. Tu peux dire tu es reconnaissant, tu es reconnaissant. Tu peux dire quelque chose à Dieu. Light the blood, les Champs-Élysées, Baron, Bada, Chitarana, Zotro, Valada, Lesia. Tu peux le dire plus fort, tu peux le dire plus fort, tu es dehors, tu es ici dans cette salle, tu peux le dire, qui est Dieu, 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 qui est Dieu pour toi, ce qu'il a fait pour toi. Tu peux parler à Dieu, tu peux parler à Dieu. Le Dieu qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin, qui n'habite pas dans un endroit spécifique, mais qui habite dans nos cœurs, mérite d'être acclamé et célébré ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Dieu qui bénisse, bonsoir peuple de Dieu. C'est un privilège pour moi de me retrouver ici au milieu de vous et je suis très content. Je vous prie de prendre place et de permettre aux hommes de Dieu de rester debout. Alléluia. J'aimerais m'acquitter d'un devoir. Prophète Philippe, il y a de cela près de 2 ans, on se connaît. Près de 2 ans, on se connaît. Un jour, tu t'es décidé en toute humilité à venir vers la petite personne que je suis. J'étais à mon bureau, tu es venu et tu m'as dit certaines choses. J'aimerais te dire aujourd'hui, depuis ce jour, mon cœur s'est attaché à ta personne, attaché à ton ministère. Je bénis le Seigneur pour l'homme que tu es, pour la personne que tu es. Vous devez savoir que c'est la première invitation que je réponds. Je n'ai jamais répondu à une quelconque invitation, que ce soit ici au Gabon, que ce soit partout ailleurs. Mais où j'étais, l'Esprit de Dieu
m'a montré le cœur de cet homme qui est ici. Prophète Philippe, tu as quelque chose qu'il ne faudra jamais perdre. C'est ton humilité. Voir des mêmes hommes de Dieu s'inviter dans la même ville, aujourd'hui ça devient rare. Parce qu'on s'attend à des compétitions, on s'attend à des guéguerres. Alléluia. Mais voir cet homme de Dieu, père de cette maison, m'inviter dans cette maison, dans ce lieu, prendre la parole, c'est un privilège. Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur pour sa vie? Merci. Tu as un grand cœur, tu m'as accepté tel que je suis. Et aujourd'hui, devant le peuple de Dieu, j'aimerais te dire que, prophète, je suis avec toi. Je ne suis pas avec toi à cause de ce que tu as, parce que tu en as beaucoup. Tu as beaucoup d'argent. Alléluia. Il m'a fait découvrir des restaurants, et lorsqu'on part au restaurant, il prend l'argent, et j'ai dit, ah, mais comment toi, tu as l'argent comme ça? Tu as beaucoup d'argent, tu as une très belle maison, tu as des fils et des filles. Mais cela m'intéresse peu, car cela n'est que la boue. Je suis avec toi à cause de la personne que tu es. Et je voulais te dire que je serai avec toi dans les bons, dans les mauvais moments. Nous sommes au Gabon, et au Gabon, nous allons travailler ensemble, main dans la main. Nous allons faire avancer le royaume des cieux. Je crois à ton ministère, je suis ton frère, je serai avec toi, alléluia. Mais je te dirai aussi la vérité, hein, quand il faudra le dire, alléluia. Car vaut mieux être avec une personne et être vrai que d'être avec une personne juste pour profiter de son niveau de visibilité et autres, alléluia. Et j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour lui. Peuple de Dieu, lorsque je commets des erreurs, cet homme de Dieu m'appelle, peu importe l'heure, il me reste, il dit non, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Laisse les pauvres gens du pays dormir en paix. Arrête ce que toi tu fais, c'est pas bon. J'ai dit, mon frère, que Dieu me rende un jour comme toi. Et merci, prophète, pour le privilège. Alléluia. Alors, un jour, j'étais sur Facebook en 2017. Et vous devez savoir que nous avons grandi dans un milieu où on nous disait toujours, on nous imposait un style vestimentaire. Donc lorsque tu portais le pantalon, il fallait que le pantalon puisse voler. On s'habillait avec des grosses vestes, alléluia. Et un jour, je suis allé sur Facebook, j'ai vu un mannequin, alléluia. Et j'aimerais vous dire que la première inspiration que j'ai de cet homme, c'est dans le vestimentaire. Faut pas qu'on se mente. Alléluia. Il faut dire que cette génération a appris à s'habiller à cause du prophète Joël Francis Tapi. Pour ça, non, si c'est vrai, est-ce que les prophètes, les prophétesses qui sont là peuvent honorer le ministère de ce père dans la francophonie, de ce grand homme de Dieu dans la francophonie? J'aimerais qu'on acclame très fortement le Seigneur pour la vie du prophète Joël Francis Tatou. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On a commencé à s'habiller les cravates qu'on met dans les gilets. Est-ce que moi je connaissais ça? Alléluia. Les chaussures ouvertes, moi on ne connaissait pas ça. Alléluia. Et au fil du temps, après 2017, j'ai commencé aussi à regarder ces cultes, ces directs. Et je me suis rendu compte qu'on peut servir Dieu et être intelligent. Je n'ai pas besoin de te demander ton niveau scolaire, mais je sais que lorsque Dieu appelle, Dieu équipe. Et il t'a donné une intelligence absolue qui est bénéfique pour toute cette génération. Il faut reconnaître aujourd'hui que cette génération te doit beaucoup. Pardon? Il n'a que le bac. Est-ce que vous pouvez croire à ça? Mais je comprends que lorsque la thaumaturgie se joint à l'onction. Alléluia. Et dans mes visions.
vision, j'ai toujours vu le prophète Joël assis à côté des présidents, orienter les présidents, conseiller les présidents. Excusez-moi, prophète, je ne vous ai jamais vu avec une église, mais je vous ai toujours vu avec une école. L'église Porte des Cieux n'est pas qu'une église, mais c'est une école. Beaucoup de serviteurs. Beaucoup d'hommes de Dieu de cette génération profitent du ministère de ce temps. Et il ne faut pas être reconnaissant après la mort. C'est de notre vivant qu'il faut être reconnaissant et dire ce qu'ils sont des personnes pour nous. La toute première fois que j'ai parlé avec lui, c'était par le canal du prophète Philippe Mukoma. Alléluia. C'était un soir et il m'a passé l'appel vidéo. J'ai parlé avec lui. J'ai dit, ah, prophète Joël Kira m'a fait honneur, le privilège de parler avec lui sans mettre des freins, sans mettre des barrières. Alléluia. Et il m'a dit quelque chose qui m'a touché jusqu'à aujourd'hui. Merci. Il m'a dit ceci. Prophète, j'avais déjà humé ton odorat. Ah, mais il me parle de quoi? J'avais déjà humé ton odorat. Et je sais qui tu es, je crois à ton ministère. Et j'étais très touché de par son humilité et par la personne qu'il est. Prophète Joël, je vous aime et sachez que vous êtes chez vous au Gabon. Vous n'êtes pas seulement pasteur de l'église, non pas Porte des Cieux, de l'église Restauration de Famille, mais vous êtes aussi pasteur au niveau de l'église synagogue du Gabon. Et ce sera un privilège pour nous de vous recevoir dans peu de temps. Nous croyons que nous allons nous réunir dans des stades et des millions de Gabonais seront réunis pour écouter la voix prophétique. Juste pour terminer, le premier message que j'écoutais de ce temps, c'était Babylone, le déclin de l'idolâtrie. Qui se rappelle de ce message? Et c'est l'un de tes messages les plus révolutionnaires. Babylone, le déclin de l'idolâtrie, c'était grave, c'était extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est un privilège pour moi de prêcher devant toi, alléluia, de prêcher devant prophète Philippe, alléluia. Nous allons un peu faire de la science et nous croyons que notre Dieu va nous aider. Merci prophète, je vous suis infiniment reconnaissant. Que Dieu vous bénisse. Merci de prendre place. Alléluia. J'aimerais terminer aussi en saluant tous les collaborateurs qui travaillent avec le prophète Philippe Mukoma. Souvent, vous devez reconnaître que ce que nous sommes dépend essentiellement des personnes aussi qui sont à côté de nous. Des personnes qui nous soutiennent et qui portent nos combats, qui sont là nuit et jour avec nous. Et j'aimerais saluer tous les collaborateurs de cette maison, les fils et les filles du prophète Philippe Mukoma, alléluia, et vous conseiller. Est-ce que les fils et les filles de cette maison peuvent s'élever? Alléluia. Que Dieu soit béni, merci de prendre place, alléluia. Je salue aussi mon équipe des médias, mon équipe qui m'accompagne, ils sont là, mes fils et filles. Est-ce que vous pouvez vous lever aussi, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Merci de croire en moi, merci de toujours m'accompagner et de veiller sur moi. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Je vous prie pour une dernière fois de vous tenir debout, nous allons lire un passage. J'ai rapidement 25 minutes et il y aura beaucoup de services ce soir. Dieu va se manifester et agir puissamment. Alléluia. J'ai besoin d'un deuxième micro. Je vais travailler avec l'un de mes collaborateurs, l'évangéliste. Ok, nous sommes dans le livre de Marc chapitre 5. À partir du verset 1er. Microphone. Jésus. Je lis la parole de Dieu. Dans Marc chapitre 5, à partir du premier verset, la Bible déclare. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadariens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait dans sa demeure, avait pour demeure les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et il était lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers.
et personne n'avait la force de le tenter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ah, ok, merci. Genèse chapitre 1, on va aller vite. Genèse chapitre 1, la Bible déclare. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. De l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvert. L'Esprit de Dieu s'est mouvert au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne. Alléluia. Lorsqu'on parle de la lumière ici, vous devez comprendre qu'il ne s'agissait pas de la lumière de la SEEG, mais il s'agissait plutôt de la lumière de la connaissance. Car à chaque fois que Dieu te donne de la connaissance, tu es éclairé. C'est comme une forme de lumière dans ta vie. Et ma prière est que Dieu vous donne des lumières à partir de ce soir dans le nom de Jésus. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Dieu appela la lumière jour. Et il appela ténèbres nuit. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir. Il y eut un soir. Et il y eut un matin. Un matin. Ce fut le premier jour. Ce fut le premier jour. Dieu dit. Qu'il y ait une étendue entre les eaux. Dis avec moi qu'il y ait une étendue entre les eaux. Une étendue, une séparation entre les eaux, ok? Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont en dessus. Au-dessous de l'étendue. D'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue. Amen. Acclamons le Seigneur, disons amen là où nous sommes et prenons place. Alléluia. Alors, je prêche sur le thème ce soir, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Est-ce que tu peux lever ta main et dire les eaux d'en haut et les eaux d'en bas? Je vais emboîter le pas avec ce que le prophète Joël disait ici et je bénis le Seigneur pour son niveau de connaissance dans l'aspect spirituel. Alléluia. Parce que ce message n'a pas été seulement littéral. Mais il a été aussi spirituel. Et j'ai béni le Seigneur pour le début de cet enseignement. Et je crois que je vais continuer et je vais t'ouvrir la connaissance et tu vas apprendre beaucoup de choses. Nous parlons ici des terres. Vous savez, nous opérons sur une terre, nous vivons sur une terre. Et il est très difficile pour nous de réussir si nous ne connaissons pas les phénomènes, pas seulement scientifiques, mais aussi des phénomènes spirituels lié à la terre. Alors, lorsque je parle de la terre, vous devez savoir premièrement, un, que la terre n'est pas seulement une matière physique. La terre est une entité. C'est une entité. Alléluia. Tu peux dire avec moi, la terre est une entité. La terre est une entité. Parce que la terre parle, la terre écrit, la terre a une bouche. Alléluia. La terre écoute, la terre a des oreilles. Dis avec moi, la terre est une entité. Non, tu peux dire ça plus fort encore, la terre est une entité. La terre est une entité. Alléluia. La terre sur laquelle nous sommes est le champ d'action de plusieurs guerres qui ont eu lieu au fil du temps. Vous savez, depuis l'époque de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine, là où nous sommes, il y a eu plusieurs guerres, mais en rapport avec la possession territoriale. Et les guerres même au temps de l'Antiquité, les guerres que les Grecs ou encore les Romains pouvaient avoir avec des autres peuples, était sur le fait de posséder les terres, parce qu'ils se battaient notamment pour deux aspects. Premier aspect sur des questions idéologiques et deuxième aspect sur des questions territoriales. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que la terre était très importante. Et lorsque Dieu commence avec l'homme, il place l'homme dans un jardin. Et bien-aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer qu'il y a un serpent qui allait dans ce jardin pour détruire l'homme, pas seulement l'homme humain, pas seulement l'être humain, mais pour le déconnecter aussi de son environnement. Parce que le diable sait qu'aucun homme ne peut opérer hors de son environnement. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais te dire, peu importe l'environnement dans lequel tu te retrouves, si cet environnement a été touché, tu as été déconnecté de cet environnement, nous venons avec l'onction de te replacer dans ton environnement par la puissance du nom de Jésus.
Lève ta main et dis Amen bien et fort. Alléluia. Alors, l'Antiquité était caractérisée par deux guerres. Il y avait premièrement la guerre punique, alléluia, qui opposait les Roms avec les Carthages, donc la Syrie ancienne, la Syrie antique. Il n'y avait pas seulement que la guerre punique, il y avait aussi la guerre médique, alléluia, qui opposait les Grecs avec les Perses. Et vous allez remarquer que les causes de ces guerres, ou encore les origines de ces guerres, étaient liées principalement à l'occupation de certaines terres. Et vous allez même remarquer que le peuple d'Israël, dans lequel nous sommes ici, était un peuple qui devrait posséder un territoire appelé Canaan. Mais avant de posséder ce territoire, ceux qui étaient des leaders avec Moïse, avec Josué, devraient d'abord combattre au préalable d'autres rois pour pouvoir occuper ces terres. Et lorsque Josué va rentrer avec le peuple d'Israël à Cana, la Bible déclare que Josué va être opposé aux géants. Il y avait des géants sur cette terre. Cana était pour eux une promesse, car le Seigneur avait dit, je vous mettrai dans une terre où coule le lait et le miel. Vous dormirez dans des maisons que vous n'avez pas construites avec vos mains. Et cette parole s'attachera à toi à partir de ce soir. Je suis en train de voir une terre que le Seigneur est sur le point de te donner et sur le point de relâcher dans ta vie. Lève la main et dis Amen bien et fort. Alléluia. Alléluia. Mais il est très important de rappeler que dans l'Antiquité, le peuple grec et le peuple romain avaient fondé leur civilisation sur des dieux. Alléluia. Au détriment des autres peuples dans le Moyen-Âge qui ont fondé leur civilisation sur l'idéologie de la religion. Et ils vont fonder leur civilisation sur des dieux. Parce que les autres peuples les craignaient à cause des dieux qu'ils avaient. Et vous allez même remarquer que Rome tient son origine des Romulus et des Rémus. Alléluia. Ce sont des descendants du dieu de la guerre, Mars. Alléluia. Les autres peuples qui étaient tout autour d'eux les craignaient à cause d'un aspect, parce qu'ils avaient des dieux. Ils savaient que ceux-là, pour attaquer ces gens-là, ah, il faut être spirituel. Ce qui a fait en sorte que dans l'Antiquité, les plus grandes puissances, la puissance grecque et la puissance romaine, ces puissances-là ont dominé aussi à cause de la connaissance sur les dieux qui étaient autour d'eux. Alléluia. Et même lorsque Josué devait combattre contre Gabaon, la Bible déclare que Gabaon tenait sa force du dieu du soleil. C'est pourquoi Josué va priver Gabaon du soleil, alléluia, pendant toute une journée. Alléluia. Car en ce temps, les guerres n'étaient pas seulement physiques, les guerres n'étaient pas visibles, mais les guerres étaient aussi spirituelles. D'où la notion des idéologies. Parce que c'était l'idéologie la plus convaincante qui pouvait amener quelqu'un à dominer. Alléluia. Et après cette époque, nous avons connu l'époque du Moyen-Âge, qui est notamment caractérisée par la guerre des religions, qui a été caractérisée, excusez-moi, par la guerre des religions. Les musulmans qui vont se battre contre l'Église, contre le christianisme et autres. Tout ça aussi, c'est dans le but de conquérir les terres. Alléluia. Et même jusqu'aujourd'hui, vous allez remarquer que le conflit israélo-palestinien est lié à la conquête d'une terre. Ils sont en train de disputer des terres jusqu'à nos jours. Alléluia. Et vous allez même remarquer que la reconstruction du troisième temple de Jérusalem est un point d'indice sur le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sur la terre des hommes. Mais pour y arriver, le monde va connaître plusieurs guerres. Le monde va connaître plusieurs conflits, pas seulement à cause des richesses économiques qui sont sur le territoire d'Israël, sur le territoire palestinien, mais aussi à cause de la richesse spirituelle et des mystères spirituels qui se retrouvent à ces endroits. Donc, le monde, sur le point du point de vue historique, le monde a toujours fait face à des guerres. Mais en général, vous remarquerez que ces guerres-là étaient dues aux terres et aux idéologies. Après le Moyen-Âge, nous avons connu les temps modernes. Et les temps modernes se caractérisent plus particulièrement par la montée des nouvelles religions. Alléluia. Je crois en l'an 30, l'Église est née. Jésus est né en l'an 0. L'an 30, l'Église est née 70 ans après l'arrivée de Jésus sur la terre. Le temple d'Israël va être détruit. Juste 200 ans après,
va naître un homme, alléluia, Constantin, et 300 ans après, l'église va connaître une réforme. Elle va quitter de l'église primitive à l'église étatique. L'église va commencer à se mêler des affaires de la politique, de l'affaire de la cité, alléluia, de la gestion de la cité. Et il faut reconnaître qu'à ce temps, à l'an 300, le catholicisme romain avait de l'ascension sur les autres religions, sur les autres peuples, au point où ils vont établir la chasse à la sorcière, qui consistait à exterminer toutes les religions qui voulaient contester le catholicisme romain. En l'an 1000, la religion musulmane va naître. Je crois que c'est ça. Après l'an 1517 ans après, en 1517 va arriver la réforme protestante. Alléluia. Est-ce que vous me suivez ici? On fait un peu de l'histoire. Lève la main et dis amen bien fort. Alléluia. 1517, il y aura une grande réforme, notamment par Martin Luther, parce qu'il faut faire une différence entre Martin Luther et Martin Luther King. Martin Luther King était aux États-Unis, il a dit I have a dream. Martin Luther, alléluia, il va protester, alléluia, contre le catholicisme romain qui commençait déjà à commercialiser le salut. Alléluia. Il va se lever au niveau de l'Allemagne, il va établir ce qu'on appelle le luthéralisme. Alléluia, qui consistait à s'opposer farouchement à tout le système de catholicisme romain. Et je crois aussi que de l'autre côté, au niveau de la France, il va aussi avoir cette révolution à ce temps. Après cette époque moderne, nous sommes maintenant dans une époque contemporaine. C'est l'époque de la Grande Révolution française. La Grande Révolution française qui commence à partir de 1789 jusqu'à ce jour et qui est caractérisée principalement par deux grands événements. Premièrement, par la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918 et deuxièmement par la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945, je crois. Alléluia. Mais vous devez comprendre quelque chose. La Première Guerre mondiale est caractérisée par un aspect, alléluia, au détriment de la Seconde Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale était une guerre d'occupation des territoires, alléluia. C'est le plus fort qui devait régner, donc les grandes puissances commençaient à se battre pour pouvoir coloniser les peuples, pour pouvoir avoir de l'ascension sur certains peuples. Mais à partir de la Seconde Guerre mondiale, nous voyons qu'il ne s'agit pas tout simplement d'une guerre des territoires, mais c'est aussi une guerre idéologique, parce que lorsqu'on parle de l'idéologie, dans les colonisations, l'idéologie fait face à la religion, fait place à la spiritualité. C'est le fait d'imposer ses idées. Et vous savez que même les grands colonisateurs chez nous en 1472, même les grands colonisateurs venaient avec la notion de nous coloniser par les idéologies de la parole de Dieu. Ils imposaient leur idéologie. Une fois leur idéologie était imposée, ils pouvaient maintenant mettre la parole de Dieu en avant pour nous faire passer leurs intérêts et autres. Et ils vont établir ce qu'on appelle une politique expansionniste qui consistait à étendre leur colonie, à élargir leur colonie. Alléluia. Donc par là, nous pouvons résumer tout simplement que le monde dans lequel nous sommes est l'enjeu de plusieurs guerres des terres qui a toujours eu lieu. Même jusqu'à aujourd'hui, ces guerres continuent. Même chez toi, tu vas remarquer que les guerres des terres, les terrains ancestraux et autres, les guerres sont toujours là. Alléluia. Alors, nous allons tout simplement résumer toutes ces guerres, que toutes ces guerres tiennent leur base des questions idéologiques et des questions de territoire. Bien-aimés dans le Seigneur, la terre sur laquelle nous sommes est un mystère. Toutes les guerres que j'ai citées ici n'ont pas été seulement là dans le but de pouvoir occuper les territoires, mais parce que sur ces terres-là aussi, il y avait des mystères. Et pour entrer en contact avec ces mystères, parce que lorsqu'on parle des richesses minières, vous devez comprendre que toutes ces choses sont des mystères. Derrière une richesse, il y a une entité derrière la richesse. Quelque chose qui attire les hommes facilement est une chose qui prend sa source et sa provenance d'une certaine entité. Est-ce que je peux maintenant avancer dans mon message? Est-ce que je peux avancer dans mon message? Et lorsque ces personnes-là devaient combattre, lorsque ces personnes-là devaient faire des guerres, avant de faire des guerres sur des territoires, ils devaient rentrer en contact avec le monde spirituel de cet endroit-là. Ils ne venaient pas seulement en contact des habitants, en contact des populations, mais aussi en contact de l'atmosphère
qui est dans ce territoire, l'atmosphère qui est dans ce terrain. Et une fois il rentré en contact avec ces atmosphères, il pouvait tisser ce qu'on appelle des alliances. Il pouvait tisser ce qu'on appelle, je réponds, des alliances. Il tissait ce qu'on appelait des allégeances. En retour de telles choses qu'on vous donne aujourd'hui, vous nous accordez telles choses. En retour de cela, vous nous accordez cela. Alléluia. Et lorsque nos premiers colonisateurs, les colons, commençaient à arriver ici, 1472 notamment ici, vous savez, ils ne se sont pas seulement limités à occuper des territoires, mais ils ont posé des actes qui ont une signification très spirituelle, notamment les comptoirs établis. Bien-aimés, lorsqu'on parle d'un comptoir établi, vous devez comprendre qu'il y a la notion des autels. On ne peut pas parler de terre sans qu'on ne parle des esprits qui gouvernent la terre par le moyen des autels. Alléluia. Et les comptoirs que ces colons l'ont posés étaient les points de contact entre eux et nous. Mais ces lieux-là n'étaient pas seulement gérés par des clauses politiques, mais aussi par des clauses spirituelles. Car ils n'accostaient pas n'importe où. Avant d'accoster, alléluia, ils devraient avoir l'autorisation des esprits, mais aussi l'autorisation des chefs. Parce que vous remarquerez même que nous ici, lorsque les colons commençaient à accoster chez nous, c'est au niveau de la pointe des nids. C'était par l'autorisation des chefs traditionnels. C'est le chef qui pouvait dire, à cet endroit, il ne faut pas vous mettre là. Parce que nous adorons telle reine là. Mais posez-vous à cet endroit. Et nous, notamment au Gabon, ils ont commencé à accoster au niveau de la pointe des nids. Ils n'ont pas seulement accosté, mais ils ont établi des comptoirs. Car lorsqu'ils venaient, ils devaient poser leur drapeau pour montrer l'occupation territoriale. Mais ce n'était pas seulement des drapeaux, alléluia. C'était aussi plusieurs choses qu'ils imposaient. C'était aussi une forme d'hôtel. C'était aussi un lieu d'interaction. C'était aussi un point de contact entre eux et nous. C'est pourquoi du point de vue historique, si nous voulons chercher la délivrance des terres, ne nous limitons pas seulement à la terre de nos quartiers, mais allons-y plus loin, alléluia, revenons dans l'histoire, dans la terre de nos pays. On ne peut pas demander sa délivrance si ton pays est possédé. Avant d'être délivré, il faut que notre pays soit délivré. Et je suis sur le point de vous annoncer que Dieu m'a dit, nous sommes dans une saison où la délivrance arrive au Gabon par des hommes et des femmes. Ah, est-ce que tu peux lever ta main et dire amen? Car nous sommes sur une terre qui a été mimée. Nous sommes sur une terre qui a connu plusieurs choses. Vous allez remarquer qu'au Gabon, malgré les richesses que nous pouvons posséder, c'est difficile pour nous de nous développer. Ce n'est pas forcément à cause des dirigeants. Non, parce que ce pays-là a été vendu depuis l'arrivée de certains colons ici a été vendue à des dieux dans le but d'exploiter telle richesse, dans le but d'exploiter telle chose. D'autres personnes, certaines personnes ont fait allégeance avec des dieux étrangers. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, pour évoluer dans certains territoires, c'est difficile. Vous allez remarquer, il y a des quartiers au Gabon. Lorsqu'on cite le nom de ce quartier, c'est des personnes d'une autre mentalité qui vivent là-bas. Des personnes d'une autre mentalité qui habitent là-bas. Nous avons des quartiers comme, vous pouvez m'aider. Pardon? Nous avons Pékassin. Nous avons Kingélé. Lorsqu'on parle de ces quartiers, on voit juste un jeune homme qui a un couteau dans la main et qui est prêt à faire du mal. Pourquoi? Parce que ce sont des territoires qui sont mimés par des esprits. Ce sont des territoires qui sont habités par des esprits. Mais j'annonce à partir de ce soir. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Dieu te donnera de dominer avec tes pieds. Et peu importe où tu iras, tu poseras tes pieds et la domination sera ton partage. Lorsque tu passeras, on saura que quelqu'un est passé. Lorsque tu poseras tes pieds, on saura qu'il y a une femme, il y a un homme qui a posé ses pieds à cet endroit. J'aimerais annoncer et décréter sur ta vie. Ah, ils sont venus gaspiller nos terres. Mais nous avons le pouvoir parce que nous sommes de la postérité des fils d'Abraham. Nous possédons une terre en héritage et nous allons récupérer ce que le diable a volé. Nous allons récupérer nos terres. Lève la main et dis amen. Prends place là où tu es.
n'ont pas seulement fait allégeance avec des hommes. Ils ont aussi posé et établi des comptoirs. Alléluia. Ce sont des autels. Dis avec moi des autels. Des autels. Des autels. Et si nous voulons retrouver la délivrance de notre pays, retournons là-bas. Alléluia. Allons-y chercher. Vous savez, le Gabon est recouvert d'eau à 70%. 70% le Gabon est recouvert d'eau. Et si vous voulez la délivrance de nos terres, la délivrance de notre pays, il faut comprendre la notion de l'eau. La Bible déclare dans le livre de Genèse que la terre est sortie de l'eau. Il y a un lien entre la terre et de l'eau. C'est de l'eau que Dieu va dire qu'il y ait du sec. Le sec va être appelé terre et l'eau va être appelée mer. Alléluia. Alors, vous devez comprendre que lorsqu'on parle des eaux dans la Bible, toute eau ou toute mer qui gouverne un pays est en relation directe avec la terre, avec le territoire de ce pays. Et si nous voulons chercher la délivrance de notre pays, retournons dans les eaux du Gabon. Le problème du Gabon, c'est les eaux. Nous sommes traversés ici par la mer, l'océan, nous sommes traversés par des fleuves tels que le Goué, tels que la Nyanga, tels que l'Angounié, des rivières spirituelles qui ont des significations spirituelles, telles que des villes. Vous allez même remarquer au Gabon ici, lorsqu'on doit donner le nom à une ville, ça doit toujours faire recours à la rivière ou encore à l'entité qui habite à cet endroit. Pourquoi? Parce que le territoire gabonais, la terre gabonaise, est gérée par des entités. Alléluia. Et je bénis Dieu pour de tels programmes, parce que je suis en train de voir notre pays rentrer dans une nouvelle saison. Lorsque je préparais ce message, l'Esprit de Dieu pouvait me dire clairement, il y a des nouvelles richesses qu'on va découvrir après ce programme. Ah, je ne sais pas si j'ai parlé ici en tant que prophète. Il y a de nouvelles choses qu'on va découvrir après ce programme. C'est pourquoi j'aimerais décréter et déclarer sur toi. Si on retrouve le pétrole quelque part, que ça soit dans ta maison. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Si on retrouve l'or quelque part, que ça soit dans ton terrain que tu as abandonné là. Si on retrouve le diamant quelque part, que ça soit dans ta maison que tu as abandonné au village. Lève la main et dis amen et bien fort. Dis avec moi terre, terre, terre. Écoute ma voix. Tu dois faire sortir toutes les richesses de ma destinée prophétique. Ce soir, la terre fera sortir le pétrole. La terre fera sortir le... Amen. Est-ce que quelqu'un peut s'asseoir et dire amen bien fort? Amen. Alléluia. Amen. C'est possible avec Dieu que là où tu es, un multimilliardaire, un homme qui travaille dans les mines, vient faire ses examens de la terre. Alléluia. Un grand géologue arrive et il se rend compte que là où tu as mis ta maison en tôle, tôle en haut, tôle en bas, à cet endroit-là, il y a une richesse minière. Hey! Accélère ta vie. Nous venons en tant que prophètes ici changer l'atmosphère. Amen. On ne va pas seulement parler de miracles monnaie. Non, 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 non. Non. On ne va pas seulement parler des miracles de la prophétie. Non. On parlera aussi des miracles économiques. Oh yes. Est-ce que quelqu'un a dit amen bien fort? Amen. L'argent provient des richesses économiques. Je décrète et je déclare. Professeur. Que Dieu ne te donne pas l'argent, mais qu'il te donne le pétrole. Je reçois. Que Dieu ne te donne pas l'argent, qu'il te donne de l'or. Amen. Que Dieu ne te donne pas l'argent, qu'il te donne le... Amen. Que... Oh. Professeur. Reçois cela. Amen. Amen. Reçois cela là où tu es au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi dans ta royauté et dis je reçois cela au nom de Jésus. Je reçois cela au nom de Jésus. Plus fort, je reçois cela au nom de Jésus. 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 Bon, maintenant, qu'est-ce qui fait en fait que malgré que j'ai des terres, malgré que je suis sur la terre, je n'arrive pas à réussir comme les autres? Pourquoi les autres réussissent et moi je ne réussis pas? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous savez savoir, dans la notion de la délivrance, le nom de Jésus n'a pas d'impact à tous les niveaux. Même Jésus dans la Bible, lorsqu'il devait résoudre un problème, il devrait le résoudre sur la base de son origine, de ce par quoi il a été fait.
C'est-à-dire que si ton problème provenait de la terre, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre aussi la même terre pour mettre sur tes yeux. Si ton problème provient de l'eau, il va aussi prendre la même eau et il va commencer à répondre sur toi. Si ton problème provient d'un vêtement, il prendra aussi un vêtement afin de faire ta délivrance. Et 90% des personnes qui sont bloquées à cause de la terre. Un jour dans les services prophétiques à Auvin, dont j'ai profité pour une personne, et l'Esprit de Dieu m'a montré qu'elle était en palabre avec son mari parce que sa ménagère voulait de son mari et la ménagère a pris un fétiche. Le fétiche, c'était la tête d'un animal, je crois, un cabri. Elle a pris la tête du cabri et elle est allée planter devant la maison, là où il y a le pot de fleurs. Et lorsque le mari rentrait à la maison le soir, le mari ne pouvait que voir la femme, malgré le make-up qu'elle avait, comme un cabri, excusez-moi du terme comme ça. Et c'était des palabres. J'ai dit à cette dame, je vois que chez toi, physiquement devant ta porte, on a planté un fétiche. J'ai envoyé cette dame avec mes fils, ils sont allés même creuser. Je n'étais jamais arrivé chez elle. Lorsqu'ils ont creusé, ils ont découvert qu'il y avait beaucoup de choses. Il y avait un animal, le squelette d'un animal qui était là. Et lorsqu'on a déterré cela, la paix est revenue entre les deux personnes. Bien-aimé de le Seigneur, il y a des terrains qui sont mimés par le monde des ténèbres. Il y a des terrains qui sont mimés par le diable. La terre sur laquelle nous sommes, en général, est une terre qui a reçu le sang, est une terre qui a bu du sang. Et il n'y a pas un plus grave péché que lorsque Dieu voit le sang d'un juste couler sur la terre. Cette terre est porteuse de plusieurs malédictions. C'est pourquoi Dieu n'a pas maudit l'homme, mais Dieu va maudire la terre. Parce que Dieu sait que l'homme ne peut pas exister sur la terre sans l'accord de la terre. L'homme ne peut pas posséder la terre sans l'accord de la terre. L'homme ne peut pas dominer ici sans l'accord de la terre. C'est pourquoi au début je te disais, la terre n'est pas qu'une matière. La terre est une personne qui a le pouvoir de t'écouter. La terre est une personne que tu as le pouvoir de t'allonger et d'écraser. La terre est une personne qui peut ouvrir ses oreilles et t'écouter. Je viens ici en tant que prophète. Oh, yes. Je décrète et je déclare, ceux qui sont au VIP, yes, tout ce que la terre avait enterré t'appartenant, oh, cela sera déterré aujourd'hui au nom. Je dis, cela sera déterré au nom de Jésus. Amen. Cela sera déterré au nom de Jésus. Amen. Vos ennemis savent une chose. Merci. Ils savent que pour vous avoir, il faut bloquer vos terres. Parce que sans ta terre, tu ne peux pas être béni. Même Dieu, pour bénir le peuple d'Israël, il a fallu qu'il donne à ce peuple une terre. Et vous donnerez un pays où coule le lait et le miel. Pourquoi Dieu n'a pas fait couler le lait et le miel là où ils étaient? Dieu est un Dieu puissant. Il a fait tomber la manne du ciel. Pourquoi n'a-t-il pas fait tomber le lait et le miel? Pourquoi il n'a pas fait qu'il y ait des richesses dans le désert? Mais pourquoi il a fallu que ce peuple se déplace? Alléluia. Vous devez comprendre que lorsqu'on parle de terre, il y a terre et terre. Il y a la terre de ta bénédiction, et il y a des terres sur lesquelles si tu te tiens, c'est comme une terre fertile. En géologie, on étudie plusieurs types de terres. Il y a des terres fertiles, il y a des terres là où il y a du sable, il y a des terres là où il y a des épines et autres. Tu vas s'aimer dans cette terre, tu vas tout faire, tu ne pourras jamais réussir, tu ne pourras jamais t'en sortir. Malgré que tu as de l'argent, malgré que tu as des idées, lorsqu'on regarde les idées que tu as, même le multimilliardaire de ce pays n'a pas ces idées-là. Regarde, j'ai constaté que des personnes qui ont de bonnes idées ont toujours des problèmes d'argent. Et les personnes qui ont beaucoup d'argent ont toujours de manque d'idées. Je décrète et je prophétise. Yes, sir. À tes idées, Dieu te donnera de la provision au nom de... Amen. Je dis, à tes idées, Dieu te donnera un accompagnement. Il te donnera de la provision. Je reçois tout ce que tu as dans ta tête à cet instant-là. Yes, sir. Reçois l'argent pour pouvoir les accomplir. Je reçois. Reçois les finances pour pouvoir les accomplir. Je reçois. Lève la main comme ça et dis, je reçois. Je reçois, je reçois, je reçois. Ah, dis-le plus fort là où tu ne t'arrêtes pas. Lève la main. Je reçois, je reçois. Je reçois, je reçois, je reçois. Je reçois. Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Écoutez, une terre qui est occupée par des entités est une terre qui a la capacité de bloquer toute une ville. Une terre qui est occupée par des entités peut bloquer tout un pays.
Avant de chercher la délivrance des hommes, cherchons la délivrance du territoire sur lequel les hommes habitent. Le quartier dans lequel tu es, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que tu connais l'histoire de cette terre? Nous sommes ici dans un quartier qui tient le nom d'une personne, Akanda. Parfois, on est au Vendo, on entend au Vendo, Bolokobwe. Est-ce que nous connaissons les histoires de ces terres-là? Et vous allez même remarquer que ces terres-là portent le nom des hommes qui ont vécu, des premiers occupants, des dignitaires de ces terres. Est-ce que nous connaissons avec quel type d'esprit parfois ces hommes-là avaient fait allégeance? Vous savez, je me suis rendu dans un village. Excusez-moi. C'est un village appelé Ndrangui. Au Gabon. À Lastouville, merci. Au niveau de Ndrangui, à un moment donné, il y avait un chef sorcier qui avait donné la sorcellerie à tout le monde. Oui, il y a Ndrangui, il y a Malanga. Il avait donné la sorcellerie à tout le monde. Du coup, tout le monde était devenu des supermans dans le monde spirituel. Ouais, ils avaient des ailes, ils faisaient des voyages, des supermans. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire que, mais attends, hier moi j'étais sur la Champions League au Barça. Messi m'a donné sa bottine, il a dit prends. Il dit, ah, mais il te montre bien comment tu vois les pots de popcorn Pepsi, c'est écrit Pepsi. Tu as eu ça ou ce genre-là, on ne vend pas ça au Gabon. Pourquoi? Parce que en fait, ils étaient forts dedans. Ils faisaient des voyages. Ils n'avaient pas besoin de passeport. Jusqu'à un temps, à un moment donné, certains jeunes de ce quartier-là ont voulu commencer à voyager. Mais c'était bloqué. Ils ont commencé à faire des démarches administratives. Mais c'était bloqué. Jusqu'à ce qu'un jour, ils vont aller chez un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu va commencer à donner des révélations. Il va dire, voici, vous venez de tel quartier, de tel village, et vous avez fait allégeance avec tel dieu, avec un oiseau. Oui, effectivement, j'étais sorcier comme ça. Bon, tu veux renoncer à la sorcellerie? Oui. Il a renoncé, mais les mois passaient et rien ne s'est décompté. Il n'arrivait toujours pas à voyager parce que parmi eux, il y avait trois qui avaient signé en Europe pour jouer au football. Mais rien ne s'est décompté. Jusqu'à ce qu'ils vont retourner chez l'homme de Dieu. Et lorsque l'homme de Dieu va prier, il va dire ceci. J'ai vu que vous êtes des oiseaux toujours. En fait, c'est une identité que vous avez en vous. Vous êtes des oiseaux. Est-ce qu'un oiseau peut prendre l'avion? Vous avez déjà vu un oiseau aller faire le passeport? Mais il peut faire le passeport. Les passeports ne sortent pas. Parce qu'ils sont des oiseaux. Ils avaient fait allégeance dans leur village, dans leur terre, faisant en sorte que même quand il devrait avoir des opportunités devant, demain après demain, il ne devrait jamais réussir dans ces opportunités. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habités de plusieurs entités. Ils étaient habités d'une force en eux qui faisait en sorte que le monde dans lequel ils voulaient évoluer était contraire au monde dans lequel ils ont été établis pour évoluer. Écoute-moi, tu es sur la terre des vivants. Et quiconque est parti travailler quelque part afin de te donner une identité contraire à celle que le Seigneur attend de toi, la personne là est terrassée et frappée ce soir au nom de Jésus. Lève la main et dis amen, que cela soit ainsi. Il y a des terres qui sont contrôlées par des entités. C'est l'histoire du fou de Guédara. Alléluia. Il déclare que c'était un homme dangereux. Un homme qu'on enchaînait, on enchaîne, il casse les chaînes. Il brise les chaînes. Il déclare de sorte que le fou de Guédara avait fait déménager tout le monde. Il était resté le chef possédé. C'est-à-dire que tout le monde avait peur de ce fou. Imaginez un endroit comme Guédara, qui est une décapole de 10 villes. Un endroit comme ça va avoir peur d'un seul homme. Appelé le fou de Guédara. Lorsque les gens voulaient construire dans cette ville-là, alléluia, les gens ne pouvaient pas tenir, ils devraient partir. Même dans les guerres, c'était un endroit dangereux, c'était une zone très dangereuse. Parce qu'il y avait un homme là qu'on appelait le fou de Guédara. En fait, le fou de Guédara n'était pas seulement un homme. Le fou de Guédara était un point stratégique pour le diable dans ce territoire. Parce que le diable savait que par le fou de Guédara, il pouvait apporter la menace aux autres peuples.
par le fou de Gadara, il pouvait gagner et occuper aussi toute une décapole de 10 villes. Et lorsque Jésus va venir devant le fou de Gadara, Jésus va dire ceci au fou de Gadara. Il va parler au démon qui était en lui. Et va dire, je vous ordonne. Les démons vont commencer à dire, oh, qui es-tu? Ce n'est pas encore ton heure. Laisse-nous. Jésus va dire, ok, allez-y vous jeter dans le troupeau des porcs. La Bible déclare, ils vont aller. Lorsqu'ils vont aller, ils vont être conduits dans les eaux. Pourquoi? Parce que les eaux étaient leur lieu d'origine. C'est pourquoi je vous dis, il y a un lien entre l'eau et la terre. La terre a été créée, ou même est sortie à partir de l'eau. Alléluia. Et l'homme a été créé à partir de la terre. Il y a un lien aussi entre l'homme et l'eau. Alléluia. Parce que vous allez remarquer dans le corps de l'homme, il y a, comme disait le prophète ici, 60% l'homme est recouvert d'eau à sa naissance. Alléluia. Et le fou de Gadara était une menace pour les autres peuples qui étaient là. À cause du fou de Gadara. Alléluia. Même ceux-là qui devraient aller prêcher ne pouvaient pas aller prêcher. Parce qu'il y avait un homme qui était là. Mais lorsque Jésus est arrivé, Jésus n'avait pas besoin de délivrer toute la décapole, c'est-à-dire les 10 villes. Il n'avait pas besoin de prier pour toutes les personnes de Gadara. Jésus savait que le malheur des habitants de Gadara peut arriver. Tant qu'on n'a pas prié pour lui, rien ne t'arrivera. Rien n'arrivera chez toi. Je décrète et je prophétise. Tout fou de Gadara qui habite un territoire et qui fait en sorte que toi tu ne peux pas réussir dans ce territoire, les démons qui sont en lui disparaissent ce soir au nom de Jésus. Les démons qui sont en lui disparaissent ce soir au nom de Jésus. Tu as levé la main, que Dieu te donne la victoire sur toutes les menaces diaboliques. Alléluia. Le fou de Gadara était un enjeu pour le diable. Le diable savait que par le fou de Gadara, je pouvais gagner toute cette ville. Et dans vos familles, il y a des lieux qui sont très stratégiques pour le diable. Le diable sait que si je m'impose à ce lieu, si je rentre dans cette personne, ce sera très facile pour moi de gagner la famille. Ce que vous allez remarquer qu'en Afrique, lorsqu'on est dans le cadre de la délivrance, la majorité des esprits humains qu'on chasse, c'est des esprits qui sont liés soit au père, à la mère, ou encore au grand-père, aux personnes en fait qui ont une forme de domination sur vous. Pourquoi? Parce que souvent par obéissance, nous ne pouvons pas bouder contre ces personnes. Par obéissance, nous ne pouvons pas nous rébeller contre ces personnes. C'est pourquoi le diable, lorsqu'il veut t'attaquer, il passera par une personne très stratégique. Il passera par une personne que tu aimes. Il passera par une personne dont tu as mis ton cœur, tu as mis toute ta confiance. Et le fou de Gadara était un point stratégique pour le diable. Dans chaque maison, il y a un fou de Gadara. Dans chaque lieu de travail, il y a un fou de Gadara. Dans chaque réveil, il y a un fou de Gadara. Lorsque le réveil veut se déclencher, il y a un homme qui se tient et dit non, ça on ne fait pas ici. Ça on ne fait pas ici. Écoutez-moi, nous sommes venus ce troisième jour. Nous allons renverser et faire tomber le fou de Gadara. Amen. Est-ce que quelqu'un a dit amen bien fort? Ce fou de Gadara a résisté contre tout le monde. Il a résisté contre l'armée. Il a résisté contre les militaires. Mais il ne pourra pas résister face à un nom. Et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom au-dessus de tous les noms. Pendant que je parle, je décrète et je déclare. La toute entité dans ta famille qui vit dans un homme appelé le fou de Gadara. Je décrète la chute de ce fou de Gadara là où tu es. La chute de ce fou de Gadara là où tu es. Amen. La chute du fou de Gadara là où tu es. Amen. Lève la main et dis fire! 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 Pendant que tu es en train de prendre place, certainement dans ta maison, il y a un homme qui vit. Il y a un homme qui est debout. Vous savez, même si on parle du diable, c'est par l'accord d'un homme comme nous que le diable est arrivé dans la famille. Et on ne peut pas parler à chaque fois, même dans nos prophéties, je vois tel qui veut te tuer. Je vois on veut te tuer. Mais qui veut me détruire? Prophète, le temps est arrivé où on doit être précis. Les gens sont fatigués d'entendre nos prophéties sans précision. On veut te manger, on veut te tuer, on veut faire ceci. Mais qui veut me tuer? Qui veut me manger? C'est pourquoi la science de la voyance, dans ce nouveau temps et dans cette nouvelle génération, arrive avec plus de précision afin que tu sois conscient des personnes qui sont en face de toi. Et ce soir, je vous annonce,
la Mésopotamie. Paranasi Katala. Les Osofalaga. Je reçois. Nous allons commencer à voir ce soir. Yes. Nous allons aller dans vos maisons. Yes. Nous allons aller dans vos terres. Yes. Le Dieu de Philippe Moukoma qui est ici. Ce Dieu-là va voir vos situations. C'est un fou de Gadara caché derrière ta vie. Je t'annonce que d'ici les 24 ans, je vois sa chute. Amen. C'est quelqu'un qui dit amen. Amen. Je vois sa chute au nom de Jésus. Amen. Le diable sait que par cet homme, il peut bloquer ton avancée. Il peut bloquer ton réveil sur une des capoles de 10 villes. Le diable sait que par cet homme, il peut t'affaiblir facilement. Le diable sait que par cet homme, il peut te gagner. Le diable sait que par cet homme, il peut éteindre un mouvement de réveil. Monsieur, venez. Quand vous avez posé cette offrande, j'ai vu pas un homme, mais une entité spirituelle derrière vous. Amen. Je vois le prophète Dimitri Metoba derrière vous. Amen, amen. C'est votre père spirituel. Amen. Hein? Amen. Tout ce qu'il vous a dit là, c'est fait. Allez-y. Amen. Acclame le Seigneur. Tu peux encore avoir 10 minutes. Alléluia. Assieds-toi et dis, je possède mes territoires au nom de Jésus. 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 Bon, maintenant, pour terminer, j'aimerais te dire, peu importe ce que le fou de Gadara fait, peu importe ce que tu vis, j'aimerais te dire que tout homme doit posséder deux types de terres. Il n'y a pas seulement qu'une terre. Dieu n'a pas seulement créé qu'une terre. Dis avec moi, jamais. Non, Dieu n'a pas créé qu'une seule terre. Dieu a créé deux terres. Dis avec moi, quelles sont ces terres? Mais prophète, tu es en train de nous dire quoi? Je suis en train de vous dire que Dieu a créé deux terres. Il y a une terre qui a déjà été révélée et l'autre n'a pas encore été révélée. Tu peux échouer sur la première terre. Mais lorsque la seconde terre se révèle à toi, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te fait réussir. La Bible déclare que Dieu va placer une étendue dans le ciel. La Bible déclare qu'il va séparer les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Mais au niveau des eaux d'en bas, Dieu va faire quelque chose. Il va porter sa combinaison de scientifiques. Alléluia. Sa combinaison de géologues. Il va dire qu'il y ait, que les eaux se rassemblent un côté et que le sec paraisse. La Bible déclare que le sec fut appelé terre. Et l'eau qui s'est rassemblée à côté a été appelée mer. Ça, c'était dans la notion des eaux d'en bas. Écoutez-moi. Si dans les eaux d'en bas, il y a eu la terre, c'est qu'assurément dans les eaux d'en haut, il y a une terre qui existe. Est-ce que je peux avancer? Et je veux dire que c'est des eaux d'en bas que cette terre sur laquelle nous sommes est sortie. C'est des eaux d'en bas que cette terre sur laquelle nous plantons est là. Ça, c'est la terre des eaux d'en bas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien fort? Ça, c'est la terre des eaux d'en bas. C'est la terre sur laquelle Lucifer est tombé. Lorsque Lucifer a été précipité au ciel, il est tombé dans les eaux, comme le prophète disait. Alléluia. Et celui qui a porté l'infâme et le vide. Ça, c'était la terre d'en bas. La terre à problème. La terre de la guerre. Mais hormis cela, Dieu s'est décidé dans son conseil à réserver un espace territorial. Pas ici. Il a mis l'étendue et il a séparé. En bas, là, il dit, le diable a porté l'infâme et le vide. Mais en haut, il ne touchera pas à ça. Dieu ne s'est pas précipité à commencer à créer une terre. Il a dit non. Que les hommes finissent d'abord leur mission sur la terre. Que les hommes finissent de faire ce qu'ils veulent faire sur la terre. Mais après le millénium, il y aura une nouvelle ville appelée la Nouvelle Jérusalem. Est-ce que tu peux monter, mon fils? Il y aura une ville appelée la Nouvelle Jérusalem où il y aura une nouvelle terre. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de lamentations. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien fort? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien fort? Amen.
Je viens en tant que prophète, je décrète et je déclare. Si la première terre t'a fait jouer, tu réussiras dans la seconde terre. Si la première terre ne reconnaît pas tes pieds, je vois la seconde terre, la nouvelle Jérusalem. Ici sur cette terre, tu peux ne pas avoir de voiture, tu peux ne pas avoir de regard, tu peux être rien, mais au ciel, il y a un Dieu qui te reconnaît. Au ciel, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à ceux qui sont dehors? Au ciel, il y a un Dieu qui te reconnaît. J'aimerais décréter et annoncer sur vous. Dieu a décidé de vous introduire dans la seconde terre. Qu'on amène et en train d'activer cette parole au nom de Jésus. Qu'on amène, active cette parole là où tu es au nom de Jésus. Amen. Là où tu es, je décrète et je déclare la sortie de la première terre pour la seconde terre. Amen. La Bible déclare la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Prophète Philippe, vous avez connu une première terre en Gondje. Vous avez connu une terre qui vous a limité. Vous avez connu une terre qui a limité le nombre de personnes. Lorsque je pars dehors, je vois des milliers de personnes dehors. Ça, c'est parce que vous opériez encore sur la première terre. Mais il y a quelque chose que je suis en train de voir. Il y a une terre que Dieu veut vous donner. C'est celle-là qu'on appelle la terre des destinées. Est-ce que quelqu'un dit amène bien fort? C'est la terre des destinées. Lorsque Dieu te donne cette terre, il ne fait pas seulement de toi un occupant, alléluia, mais il fait de toi aussi une entité sur cette terre. Une entité ayant une identité. Je décrète et je déclare territorial commandant au niveau d'Angondje. Que Dieu établisse la restauration des familles. Je vois des hommes et des femmes qui vont posséder les richesses ici. J'annonce que si on parle des milliardaires, des millionnaires, oh, est-ce que je parle ici à la restauration des femmes? Que ces personnes sortent de cette église. Amen. Que ces personnes sortent de cette église. Amen. Je vois des hommes et des femmes ici. Yes. À cause de ce que leur pied vient de fouler la pointe de la seconde terre. Je vois des conseils des ministres. Je vois vous serez escortés lorsque vous viendrez à l'église. Il y aura toute une sécurité derrière vous. Je décrète et je déclare sur vous la terre qui était dure envers toi. La terre qui n'était pas productive envers toi. Cette terre est impactée par la seconde terre. Cette terre est impactée par la seconde terre. Là où tu es, reçois par ton amen. Reçois là où tu es au nom de Jésus. Lève les mains, reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois. Ce soir, nous sommes venus afin que tous les fous de Guédara dégagent de votre destinée. Amen. Est-ce que tu peux lever la main et dire dégage? Plus fort, dégage. Dégage. Tous les fous de Guédara de la terre de ton mariage, dégage. De la terre de tes finances, dégage. De la terre de ton argent, dégage. De la terre de ton ministère, dégage. De la terre de ce pays. Dégage. Ah, tu peux commencer à. La mazote. Je vais terminer par là. Je vais terminer par là. Possède la seconde terre ceux qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie. Ceux qui pendant qu'on fait le séminaire ne s'attelle pas seulement à recevoir des prophéties. Non. Mais aussi à reconnaître la place du Seigneur. Et être conscient sur le retour du Seigneur qui est imminent. Et de cela, 2000 ans en arrière, Jean pouvait dire, jeunes gens, le Seigneur est à la porte. Répondez-vous, changez de vie. Des gens jusqu'à nos jours, à 2000 ans d'âge d'église, nous ne dirons plus que le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est déjà rentré dans la maison. Il est même en train de s'asseoir. Tu peux tout gagner sur cette terre. Écoute, si tu perds le salut, tu ne domineras pas dans la seconde terre. Car la seconde terre n'a pas encore été révélée. Elle est cachée. En fait, les gens d'en haut sont en grossesse de cette terre.
Mais le temps arrive, lorsque notre Seigneur descendra, les eaux seront à son neuvième mois. Et les eaux vont affronter la nouvelle Jérusalem. Ça c'est un deux. Puisque nous sommes sur la terre des vivants, écoute-moi bien. Il y a une manière de dominer cette terre. Ne domine pas cette terre celui qui est chrétien. Je connais beaucoup de chrétiens qui souffrent et qui sont pauvres. Ne domine pas sur cette terre ceux qui ont l'argent ou ceux qui veulent. Mais domine sur cette terre ceux qui ont appris à arracher les talents. Accélère, Daddy. Écoute, ton étoile, hein, ton étoile ne symbolise pas ta destinée, non. Ton étoile vient ici montrer la direction de ta vie, ta provenance, ton origine, ton identité. Mais ta destinée là, ce que Dieu veut te donner, ce que Dieu va faire avec toi sur la terre, ça ne se trouve pas ici à ton front. L'étoile est vue ici, mais ça se retrouve dans ton talent. Demandez-moi pourquoi Jacob attrapait le talent de Esaü lorsqu'il voulait sortir avant. Ne domine pas sur cette terre celui qui est sorti en premier du ventre de sa mère. Mais domine sur cette terre celui qui a pris à arracher le talent du premier. Est-ce que je peux avancer? J'aimerais décréter et déclarer sur toi. Amen. Tout talent qu'on t'a volé sera récupéré ce soir. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien fort? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien fort? Amen. Écoute-moi bien. La personne qui a l'argent là, ce n'est pas pour lui. Il a juste arraché ton talent. Dis avec moi. Oh. La personne qui évolue là, ce n'est pas son évolution. Il a juste arraché ton talent. Lorsqu'ils t'ont vu, ils ont su que si toi on te laisse vivre, tu vas construire la famille. Tu vas changer les choses. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont dit non, on n'attrape pas sa tête. Parce que les chrétiens tellement ignorants, ils se disent que c'est à la tête là où se trouve l'étoile. Nous allons attraper son talent. Et depuis qu'ils ont attrapé ce talent, tu marches sur la terre, mais tu ne domines pas. Tout ce que tu fais, ça n'arrive pas à évoluer. Il n'y a rien. Il y a stagnation dans ton ministère. Aujourd'hui, toi, tu devais être loin, mais tu es en train toujours de te battre dans les poulaillers avec les enfants. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as perdu ton talent. Domine sur cette terre celui qui a un talent. Car c'est dans ton talent que se trouve ta destinée. La destinée territoriale. C'est pourquoi dans le livre de Josué chapitre 1, la Bible déclare que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. Ne possède pas seulement un territoire, lui qui a l'étoile. Non, ton étoile t'amène à posséder les astres. T'amène à dominer sur les Elohim qui sont les fils de Dieu. Mais ton talent t'amène à posséder des territoires. Yes. J'aimerais décréter sur 10 personnes ici. Professeur. Je te vois aller posséder à la présidence. Je te vois aller posséder tout. Oh, oh, oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu vas commencer à poser ton talent là où les autres ne sont pas allés. Tu vas commencer à t'asseoir là où les autres ne se sont pas assis. Pourquoi? Parce que tu es de la descendance d'Israël. La Bible déclare que Dieu va changer le nom de Jacob en Israël. Et nous sommes les descendants d'Israël. Nous sommes de la descendance de ceux qui ont arraché le talent. Et parce que nous avons le talent, écoutez-moi, la politique, ce n'est pas pour eux, c'est pour nous. L'argent là, ce n'est pas pour eux, c'est pour nous. Laisse que dans cette église, les multimilliardaires, les multimillionnaires sortent ici au nom de Jésus. Amen. Je prie pendant que tu t'es levé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole. Si tu crois que tu viens de posséder ce territoire, tu crois que tu es victorieux, tu es victorieuse, tu peux acclamer le Seigneur. Pendant que tu acclames, j'aimerais que tu sèmes tous tes pieds. Tu vas commencer à déclarer, je possède ce territoire par mon talent. Je possède... Oh, commence à déclarer, commence à déclarer. Je déclare au nom de Jésus, je possède ce territoire. Je possède ce territoire. Cette ville t'appartient. Ce pays t'appartient. Pose tes pieds et domine. Pose tes pieds et domine. Je déclare, je décrète au nom de Jésus.
Je possède ce territoire. J'aimerais que tu pries, j'aimerais que tu élèves tes mains. Tu élèves tes mains, tu recommandes à Dieu les milieux stratégiques de ce pays dans lesquels tu aimerais voir l'église posséder. J'aimerais que tu recommandes à Dieu les milieux stratégiques qui sont aujourd'hui attaqués par le diable. Recommande à Dieu ces milieux. Et j'aimerais, pendant que tu pries, comment tu commences à battre tes pieds au sol. Et tu commences à déclarer la possession de ces milieux. J'ai dit une, j'ai dit deux, j'ai dit trois. Commence à prier. Tu peux prier, tu peux parler en langue. Malégro sofa. Élève ta voix, élève ta voix. L'éclophalie. Je commence à déclarer. Massecleveleka. Élève ta voix. Qui j'annonce ton plan. Commence à déclarer que tu possèdes ce territoire. Commence à prier et déclare que tu possèdes ce territoire. Paratatesa. La quoi t'élichapa. Zakato paradike. On peut rester juste debout. Maman, cherchez la place quelque part là. Amen. Est-ce qu'on peut rester tous debout d'abord? Je veux maintenant qu'on fasse juste une chose. Tu vas pousser juste un cri de joie, de victoire. Et pendant que tu seras en train de pousser ces cris, crois que tu as reçu ta bénédiction et que toutes les bonnes paroles que l'homme de Dieu a libérées dans cet endroit, cela va se réaliser dans ta propre vie et dans celle de ta famille. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Pendant que tu pousses ce cri de joie, que Dieu t'impose. On va aller rapidement. Je vais inviter maintenant my prophète Joël Francis Tatou. Et après nous allons retourner avec my prophète pour faire un petit service prophétique. Amen. Mais que Dieu nous accorde la grâce, que COVID puisse nous laisser. On fera des choses comme il faut. Amen. Pour là aussi, pour cela, je voulais vous demander, il faut vous vacciner. Toi là, tu n'as pas réussi ton vaccin. Il faut aller prendre les vaccins. C'est à cause de toi qu'on n'enlève pas les masques. Amen. Il n'y a rien de mauvais dans les vaccins. Il faut aller prendre ça. Amen. Est-ce que vous voulez recevoir l'homme de Dieu? Non, est-ce que vous voulez recevoir my prophète? Non, je n'ai pas encore saisi. Est-ce que vous voulez recevoir my prophète? Amen. Le prophète Emmanuel vient de prêcher. Il n'y a pas de commentaires à faire. C'est tellement merveilleux, bénissant au point que le Dieu du ciel les bénisse encore abondamment. Ah, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le prophète Emmanuel? Pousse un cri de joie pour ce grand homme de Dieu qui nous a bénis par cette prédication. Amen. Moi personnellement, je suis beaucoup béni. J'étais dehors en train de faire les protocoles, en même temps en train de te suivre. C'est pour cela que j'étais dehors. Ben, c'est merveilleux. Amen. Nous sommes bénis. Dis à ton voisin, nous sommes bénis. Après ce programme, on aura encore un autre programme. On va chercher un endroit plus grand que celle-ci afin que les choses se passent très bien. Est-ce que vous voulez recevoir maintenant my prophète Joël? Si vous voulez, quand il avance, acclamer et pousser le cri de joie pour honorer l'Éternel. Célébrez, 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 célébrez. Acclame le Seigneur. Amen. Mettez-vous dans la présence de Dieu, que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, j'aimerais juste récupérer les enveloppes que nous avons données hier. Nous avons fait un appel hier et je vais profiter de l'opportunité pour le dire. Hier, nous avons fait un appel par rapport aux terres et nous avons dit que nous allons bâtir des hôtels par rapport à la possession de nos terres. Amen. Par rapport à la récupération de nos terres, par rapport à l'acquisition des nouvelles terres, par rapport à la faveur de construire sous des terres, par rapport aux terres. Amen. Tous ceux qui ont pris des enveloppes veulent avancer, je vais prier pour vous. Vous êtes à l'extérieur, vous êtes à l'intérieur, veuillez vous lever
et je vais récupérer les enveloppes. En même temps, y a-t-il des enveloppes ici? D'autres ne sont, voilà, d'autres n'ont peut-être pas été là hier, mais vous voyez ce qui se passe maintenant et vous avez à cœur de le faire avancer rapidement. Je vous donne une enveloppe rapidement. D'accord, je crois qu'il y a beaucoup de gens. Alors on va essayer de, on va juste veiller à ce que là où vous êtes, levez juste les enveloppes. Je vais prier et on va les mettre dans des paniers. J'espère qu'il y a des paniers dehors. Il y en a aussi ici. Voilà, juste restez là où vous êtes, s'il vous plaît. Levez votre enveloppe. Je vais prier et la foi que quelque chose va se passer en ces lieux. Vous êtes dehors, même au fond, même au-dessus. Ne bougez pas. Levez juste vos enveloppes maintenant et nous allons prier. Ok, baissez les enveloppes, restez debout. Tous ceux qui n'ont pas pris les enveloppes hier, mais vous avez à cœur de le faire aujourd'hui, avancer, je vous donne une enveloppe. Ce n'est pas un engagement que l'on va régler après. Non, on le règle maintenant. Quelque chose que Dieu vous met à cœur de faire. Nous avons dit que ce n'est pas une offrande ordinaire, c'est un sacrifice. Si vous donnez ce que vous donnez habituellement, ne venez pas. Fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux. Tel est mon vœu, sur ton trône, fais comme... Levez les enveloppes, je vais maintenant prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je m'établis ici comme étant ton prophète et je parle sur tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont à cœur de faire un sacrifice. Les temps ne sont pas faciles pour tout le monde dans cette société, mais ils ont décidé de pouvoir sceller, de pouvoir se connecter à la grâce de l'enseignement, à la grâce du message, afin de se connecter à la grâce de posséder des terres. Père, laisse que tout sacrifice qui a été fait maintenant, qui sera déposé dans les paniers, laisse que les désirs des cœurs, les vœux des cœurs, et la prière faite en donnant cette enveloppe soit exaucée maintenant au nom de Jésus-Christ. Laisse que tu accordes à ces hommes et ces femmes les désirs de leur cœur. Laisse que les terres leur soient données. Je déclare 5 déclarations. Première déclaration. Que ceux qui ne sont pas propriétaires le deviennent au nom de Jésus. Que tous ceux qui le sont construisent et finissent au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont des problèmes en justice par rapport à des terres les récupèrent au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont des influences diaboliques et démoniaques sur les terres qu'ils possèdent soient vaincus au nom de Jésus. Et cinquièmement, je décrète et déclare que Dieu étend de votre territoire. Au-delà d'en avoir ici, que vous puissiez en avoir en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie, partout sur cette terre. Que vous ayez un pied à terre dans quelque chose qui n'est pas dans un hôtel, mais qui est dans votre résidence et dans votre propriété. Recevez cette faveur au nom de Jésus. Amen. Déposez dans les paniers. Déposez dans les paniers. Que Dieu vous bénisse. Quand vous le déposez, ayez la foi que quelque chose se passe. Ayez la foi que quelque chose se passe. Ayez la foi que quelque chose se passe. Ayez la foi que quelque chose est en train de se passer. Ayez la foi.
déposé dans les paniers à l'extérieur et ici, déposé même au-dessus, déposé, et que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours en direct. Ok, nous sommes en direct. Vous avez été touchés maintenant là où vous êtes. N'hésitez pas, il y a sur la description de ce live, il y a les indications, même PayPal, des numéros de téléphone. Saisissez l'opportunité, vous êtes à Libreville, à Franceville, à Port-Gentil ou ailleurs, en Afrique, ou envoyez votre sémence maintenant et connectez-vous à la grâce qu'il y a dans la maison. Soyez bénis, je disais soyez bénis, je répète soyez bénis, j'insiste soyez bénis, j'insiste soyez bénis, je disais j'insiste soyez bénis, je disais j'insiste soyez bénis, déposez dans les paniers. Fais comme tu veux, fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Tel est mon vœu. Sur ton trône, fais comme tu veux. Que le Dieu des cieux vous bénisse, vous accorde des terres, des terrains, des propriétés. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Des propriétés, que Dieu te donne des hectares et des hectares de champs où tu feras l'agriculture et que tu possèdes les richesses qu'il y a dans la terre et sous la terre. Reçois cela au nom de Jésus. Je disais, reçois cela au nom de Jésus. Merci. Alors aujourd'hui, c'est le dernier jour et après qu'on ait entendu un tel message, il y a une autre terre qui existe. Cette terre va venir et ceux qui vont être établis sur cette terre sont ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Alors vous êtes ici, vous êtes au-dessus, en bas et même à l'extérieur ou en direct. Vous avez été bénis par tout ce qui a été fait. Le temps manquerait de faire tout ce qu'on doit faire. Pour être sincère, si chacun doit commencer à travailler, on ne finira pas. Amen. Autant il y a des besoins, autant il y a des maladies, autant il y a des besoins. Mais on doit aussi libérer les lieux à cause du couvre-feu. D'autres viennent de très loin aussi, n'est-ce pas? Mais seulement la plus importante de toutes les choses que nous voulons faire maintenant, c'est de faire un appel à tous ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ. Vous êtes ici, premier appel, et vous n'avez jamais reçu Jésus. Vous êtes d'une autre religion, ou bien même vous venez à l'église, proche des hommes de Dieu, mais jamais vous n'avez pris la décision de vous donner au Seigneur Jésus. Là où vous êtes, vous allez avec tout le courage que possible vous tenir debout là où vous êtes, et nous vous encourageons à le faire maintenant. L'éternité est une réalité, l'enfer existe, le ciel existe, et il ne faut pas sortir de ces lieux après avoir transpirer, prier, donner une offrande, mais avoir perdu son âme. Là où vous êtes, faites un effort, bravez la honte, levez-vous, on va prier avec vous. Deuxième appel, vous êtes chrétien, mais vous avez rétrogradé. Depuis un temps, vous avez abandonné l'église, abandonné les choses de Dieu, vous êtes rentré dans les choses que vous avez vomi autrefois. C'est le jour du salut, c'est maintenant. En quelques secondes, vous pouvez faire la différence entre votre passé et votre futur. Tout se décide maintenant. Levez-vous et je vais prier avec vous. On peut les acclamer. On peut les acclamer. On peut les acclamer. Merci ma soeur, merci. On peut les encourager. Vous êtes même dehors là-bas, on peut les acclamer. Même à l'extérieur. C'est le jour du salut, c'est le jour du salut. C'est le jour du salut. La Bible dans Luc 8 présente l'homme même comme une terre. Le cœur de l'homme comme quatre types de terre. La sémence entre, à part la terre sur laquelle nous sommes, ou la terre du futur, de l'éternité, vous êtes aussi une terre. La semence est tombée et il ne faut pas que cette semence soit détruite. Vous avez entendu le message, c'est le jour d'être sauvé. Vous êtes converti et même vous êtes rétrograde, vous allez prier avec moi. C'est une prière que je vous prête les paroles, vous allez répéter ces paroles, mais vous êtes ici avec moi, nous allons tous prier avec eux, n'est-ce pas? Là où vous êtes, mettez les deux mains sur votre poitrine et nous allons prier. Si nous ratons ce moment, nous avons tout raté. Vous êtes ici, même à l'extérieur. Vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous ne sommes pas des féticheurs, nous ne sommes pas des ngangas. Nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ que Dieu utilise, certes avec des dons et des charismes, mais qui avons le souci de votre éternité, de votre salut. À quoi sert-il un homme d'être marié, de voyager, d'être élevé et de perdre son âme? C'est le jour de mettre sa vie en ordre avec Dieu. On ne sait pas ce qui peut arriver après. Peut-être que tu vas mourir. Peut-être même si la mort ne vient pas, l'enlèvement peut avoir lieu. Et tu dois garantir ton éternité ce soir. Nous qui sommes à l'intérieur et même à l'extérieur, nous allons faire cette prière ensemble. Vous allez dire avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, j'ai entendu ta voix.
qui a frappé à la porte de mon cœur. Je t'ouvre au grand mon cœur. Et j'avoue, Seigneur, je suis un pécheur, je vis dans le péché et je conduis ma vie par ma propre volonté. Mais ce soir, je viens tel que je suis, avec mon passé, avec mes péchés, avec mes faiblesses, avec mes insuffisances. C'est tel que je suis, c'est tel que je viens à toi. Pardonne-moi. Je t'ouvre mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es Seigneur. Et je crois dans mon cœur que le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Je le confesse haut et fort. Jésus-Christ, tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je le confesse devant les hommes, devant tes serviteurs, devant le diable et devant ma conscience. Dès ce jour, tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je suis sauvé. Je suis enfant de Dieu. Ton sang m'a purifié et ton esprit habite en moi. Je te promets, Seigneur, de te suivre dès aujourd'hui et jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame très fort. C'est fait. C'est fait. Acclame mieux que ça. Qu'est-ce que le protocole distribue? Les fiches? Faites-le rapidement, rapidement, très rapidement. Tous ceux qui sont assis, regardez-les et dites félicitations. Protocole rapidement, rapidement. On n'a pas toute la soirée. Rapidement. Ok. Ils vont remplir, c'est ça? Ils vont, voilà, vous allez remplir et avant de sortir, on va déposer un panier ici, même à l'extérieur. Vous allez y mettre cette fiche. Nous voulons être en contact avec vous. Vous allez recevoir le cours de baptême. Nous allons vous mettre en plongée dans les eaux du baptême. Et à partir de... Vous n'oublierez jamais ce programme. Pas parce que votre terre a seulement été rachetée, mais aussi parce que vous, en tant que terre, vous avez accepté la sémence incorruptible de la parole de Dieu et vous êtes garanti pour l'éternité. Dis Amen très fort. Amen. Non, dis Amen très fort là où tu es. Amen. Dis très fort Amen là où tu es. Amen. Un Amen mieux que ça là où tu es. Je vais terminer avec ce mot. Distribuez vite les fiches. Tous ceux qui ont reçu Jésus ou qui ont mis leur vie en ordre avec Dieu, levez juste les mains, mettez-les en évidence afin qu'on vous donne une fiche. Protocole, vraiment. Donnez à d'autres protocoles, comme ça on gagne du temps. On ne peut pas avoir deux protocoles pour autant de gens, s'il vous plaît. Ma fille, viens, va, prends. Prends aussi une partie et donne aux autres. Sois un peu dynamique, s'il vous plaît. Vous savez, là où il y a les prophètes, il faut être rapide. Il ne faut pas être lent comme si. C'est une église des prophètes, donc il faut aller speed. Le manque de rapidité peut casser quelque chose même que Dieu veut faire. Distribuer, donner, même à l'extérieur. Il y a les protocoles dehors. Ok, distribuer. Et vous tous qui recevez cela, mettez remplissez les cases que nous avons dessus. Et s'il vous plaît, avant de sortir d'ici, mettez dans un panier qui sera ici et un autre sera devant, juste devant l'écran. Comme ça, nous avons gardé contact avec vous. Si vous voulez un rendez-vous avec le prophète, on peut organiser ça pour vous. Le prophète Philippe, le père de la maison, on organisera cela pour vous. Et ne ratez pas. J'aimerais dire une dernière chose, mais on va d'abord acclamer pour le Seigneur très fort. Alors, lorsque cette semaine, je suis pasteur de l'église, j'ai culte mardi, j'ai culte vendredi, j'ai des réceptions, j'ai beaucoup de programmes, j'ai la télévision, j'ai des émissions, j'ai beaucoup à faire. Mais j'ai dit au prophète, j'allais venir. Et merci, j'ai besoin du calme. Et l'un de mes grands objectifs pour lequel j'ai pris le bateau Brazza jusqu'à l'avion, c'est parce que regardez ce que Dieu fait dans ce ministère. N'est-ce pas, c'est glorieux? Il y a plus du monde dehors qu'à l'intérieur. Et beaucoup de gens qui pensaient que ce ministère était enterré, ils ont tort. Parce que ce n'est même pas le 10% de ce que Dieu donnera à son serviteur. Alors demain matin, je prends mon avion, je rentre et je vais avoir une bonne nouvelle ici. Nous avons été ici, c'était une terre de refuge pendant un temps. Amen, amen. Regardez comment nous sommes ici. On remplissait les lieux, des fois jusque dehors.
même à débordement, là on est extrêmement débordé. Et ça va aller comme ça de gloire en gloire. Mais est-ce que c'est convenable que nous soyons ici? Cet endroit est trop étroit pour nous, n'est-ce pas? Et je parle ici comme un prophète, comme un père, je parle comme un homme de Dieu. Et j'aimerais vous parler à vous. Ici, je ne fais pas, même pas un appel de fond. Ici, j'aimerais juste vous dire que notre entente avec les propriétaires de ces lieux est déjà finie. Ils ont été généreux, ils ont été bons, ils ont été ouverts avec nous. Ça fait combien d'années qu'on est ici? 4 ans. 3 ans qu'on est ici. Donc, ils ont fait de leur mieux, ils nous ont donné l'espace. On occupe ici, des fois on est au-dessus, des fois même à côté. Donc, ils ont vraiment été bien avec le prophète. Mais ils ont fait ce qu'ils ont pu faire pendant un temps. Ok? Maintenant, la nuée se déplace. Et il faut absolument qu'on se déplace d'ici. J'ai dit au prophète, j'ai besoin qu'on évolue. Faire des programmes sur programmes, c'est bien. Mais il ne faut pas que Satan profite pour nous combattre à partir de cette histoire de notre adresse. Si vous aimez le prophète Philippe, si vous aimez la restauration des familles, j'ai besoin des gens qui vont venir me voir. Je ne veux pas quitter ici, je suis assis ici. Donc quand vous sortez, moi je suis ici. Je ne vais pas le faire en public parce qu'on est devant les caméras, il y a beaucoup de monde, on ne sait jamais qui va voir qui. Ok? On va un peu user de la diplomatie et de la discrétion. Je vais être ici pendant quelque chose comme 20 minutes avant que vous ne puissiez partir. Vous aimez cet homme de Dieu. Vous aimez ce ministère. Vous avez des terrains. Vous avez des espaces. Vous avez des parcelles. Là où vous êtes, Dieu vous met à cœur de faire quelque chose pour Dieu. Je parlais à l'église dernièrement et je leur disais, c'est insensé que d'avoir acheté des terres, de construire et de n'avoir jamais, même une seule fois, mis 1 mètre carré donné à Dieu. Et que vous avez construit depuis la fondation jusqu'à la finition. Vous avez acheté les invités, c'est une belle maison. De l'autre côté, belle maison.